Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, nous allons repartir avec un nouveau défi, avec une maison victorienne. Alors, j'ai choisi celle-ci pas pour sa beauté, parce que c'est pas celle qui me plaisait le plus. Bon, elle n'est pas vilaine, mais j'ai pris plutôt quelque chose, une maison qui me paraissait un peu plus simple à faire par rapport aux autres que j'avais mises de côté. Mais voilà, en fait, j'ai choisi celle-ci pour sa simplicité à la construction, on va dire. Bien que j'ai pas vraiment tout bien réussi parce que, ben, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, nous n'avons pas tous les objets qui pourraient aller pour faire ce genre de défi, quoi, en fait. Entre autres, les cheminées que j'ai mis sur le devant. En guise de barrière, j'avais pas, on n'a pas, enfin moi je n'ai pas en tout cas, je n'ai pas ce genre de poteau en briques, enfin des, je sais pas ce que c'est, ces bornes là, il manque peut-être même une barrière. Enfin, sur la photo elle n'y est pas, donc j'en ai pas mis non plus. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser regarder ce petit défi, ce petit challenge. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais en faire un autre avec une maison, encore avec une maison victorienne, une que j'ai trouvée assez jolie, bien plus belle. Enfin, après tous les goûts sont dans la nature, bien entendu, mais je la trouve plus jolie que celle-ci, plus grande aussi. Elle doit faire à peu près le double. Donc ça va être un sacré challenge. En tout cas, dites-moi si je réussis mes défis. Si vous souhaitez en voir d'autres, dites-le moi aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous laisse regarder ce challenge en musique. Bye! Thank you.